Salut tout le monde, c'est Motokoro, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur Metal Gear Online, le mode multijoueur de Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. On est sur PC, on est sur une map de jour, je vais vous expliquer, on est en Bounty Hunter. Bounty Hunter c'est en gros du match à mort par équipe, ça se finit à 30 morts, donc dès que 30 personnes meurent dans l'équipe, et bah hop, c'est fini, c'est terminé pour nous. Donc bien sûr on va essayer de gagner. Là j'ai pris une classe assaut, il existe plusieurs classes. Et je viens de tuer une personne très facilement. Du coup, donc ça va, la map celle-là, je la connais un peu. Très souvent les mecs ils sont là. Il y a quelqu'un qui est rentré. Ok, alors attends. On va juste se concentrer 5 minutes. Ok, ça va, il m'a pas eu. Ok, pour l'instant ça se passe. Là il y a quelqu'un. Ah PD, j'ai entendu en plus. Ah Sam, tu t'es fait buter. Et voilà, tire dans la tête. La décale. Donc ça va, ça se passe. Donc ouais, on est sur PC. Metal Gear Online, c'est pour moi l'un des meilleurs jeux PC, franchement. Enfin, meilleur FPS PC, parce que je sais pas, je prends grave du plaisir à jouer. J'arrive pas à toucher là-bas. Et non, je prends grave du plaisir à jouer. Et surtout que, bah je sais pas, Metal Gear, franchement, même le jeu en lui-même, Metal Gear Solid 5, il est franchement bien. Et du coup voilà quoi. Tout à l'heure j'avais fait une partie de ouf, mais sauf que bien évidemment j'avais l'enregistrement audio mais pas vidéo, parce que je suis un peu nul, voilà. Et hop là, lui il meurt. Moi j'avoue que je prends mon temps, je rush pas. Vous avez plein de classes hein, dessus, on est en train de leur mettre une pâtée de ouf quand même, faut le dire. Là-bas il y a un cumé. Ok, on va aller voir ce qu'il fait. Il y a un mec au-dessus. Ah, c'est chaud hein. Ouais, il y a un mec. Ils sont en train de spammer les bonnes chances. Ok, donc là on a une tempête de pluie, c'est pas ouf. Il est mort. Okay. Ah bah on a gagné. Alors c'était une partie plutôt rapide, par contre ils sont vraiment beaucoup nuls hein. Ils sont genre très très nuls. Bon c'est pas grave. Mais ouais, cette vidéo là j'ai eu du mal à vous la sortir. Parce que tout simplement bah, j'ai eu du mal, non plus sérieusement, j'ai eu du mal pourquoi? Parce que j'ai enregistré ouais, la capture audio et tout, la première capture j'avais tout qui était bon, sauf que je trouvais que le commentary était pas low, incroyable. Enfin bref, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais ça me fait plaisir de revenir, parce que c'est sympa. Et du coup c'est parti, donc on fait la deuxième manche, on change juste de côté. Alors je dis juste, mais voilà. Ça se joue donc en deux manches, et s'il y a égalité, ça se joue au score, tout simplement. Donc nous, on va aller par en bas, et on va aller contourner tout ça, comme d'hab. Contourner sur FPS, c'est la clé de la victoire. Enfin pour moi, je sais que ça a toujours marché. Bon là, bien sûr, ça risque de ne pas être très fructueux, vu que ça ne sert strictement à rien, mais bon. Alors voilà. Il faut essayer, hein. Faut faire des choix dans la vie. Bon, voilà. Venir. Oh, je me suis fait mis défoncer. Je sais pas du tout où était le mec. J'en ai aucune putain d'idée. Ok, c'est pas grave.
généralement au-dessus, là il y a toujours des gens, là il y a personne, incroyable. Alors, on a gagné un ticket, je sais pas comment. Si, normalement quand on gagne des tickets, c'est quand on fuel-t-on quelqu'un. Alors qu'est-ce que fuel-t-on quelqu'un? En gros, c'est prendre l'ennemi, l'assommer, donc pas le tuer, l'assommer, et ensuite l'envoyer en l'air, hein. L'envoyer en l'air avec le patron. Non, c'est l'envoyer en l'air, en gros, c'est lui mettre un genre de parachute et il part, et normalement dans le jeu solo, ça fait qu'il vient dans votre base. Toi, tu meurs. Et puis voilà, quoi. Ça va, on se débrouille. Je vais pas trop traîner dans des environs comme ça. On va monter. Wow, wow, wow. Ok. Il y a un sniper au fond. Absolument pas où il est. Voilà, il est mort. Ok, donc là c'est leur spoon. Pas grand monde, hein. Donc les maps sont plutôt moyennes petites, je dirais. Mais elles sont vraiment sympas quand même. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et puis même, le jeu est grave tactique. Enfin, vous pouvez sauter comme ça et tout. Enfin, c'est génial. C'est franchement un jeu... Un jeu qui t'envoie du lourd. Oh! Vous avez même des petits mechas comme ça. J'ai pas eu. En gros, ils sont spotted de chez spotted. Ok, je l'ai eu. Hop là, je l'ai eu aussi. Fais attention, il en reste plus que deux tickets. Ça va être simple, on peut courir, on peut se permettre de rusher. Et on a gagné, bien joué. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je compte certainement refaire d'autres vidéos sur Metal Gear Online. Il y envoie du lourd. J'ai trouvé ce gameplay un peu palo quand même. Faut se le dire. On a gagné les deux manches. On a fait... Oh oui, on les a laminés au score. On a fait genre 2-3 fois plus. Sur ce coup, bah portez-vous bien. Je fais quoi? 7-1. Bon, ça va. Ça va, c'est un bon score quand même. Bon, bah du coup, on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Je sais pas trop quand, je sais pas trop comment. Enfin bref, bonnes vacances pour ceux qui ont commencé les vacances. Hein. Moi, je bosse, je dois bosser. Mais du coup, voilà. Donc, bah, voilà, c'est tout. C'est la fin de la vidéo. Allez, ciao, portez-vous bien.